Apprendre à se connaître avec Florian, le coin de Félie. Hello, hello Claire. Salut Florian. Bonjour et bonjour à tous. Je suis ravie de faire cette émission aujourd'hui pour parler de vie, de mouvement, de danse avec toi Claire, Claire Poupard, sur Saint-Mexant-l'École. Oui. Ouais, donc je vais te demander de te présenter. Alors, Claire Poupard, tu l'as bien nommée. Qu'est-ce que je peux te raconter? Que je suis une jeune maman. Mais oui. Oui, jeune maman, 43 ans, je me considère jeune. Voilà, j'ai deux formidables filles mariées et installées sur Saint-Mexant depuis, ça va faire 16 ans déjà, je crois. Ouais. Ouais. Et voilà ce que je peux te dire de moi. Ouais. Quel est ton métier? Alors, mon métier, je suis praticienne en massage, bien-être et mieux-être et relaxologue. Cette fameuse présentation avec ces mots où on en a parlé en fait peu de temps et c'est vraiment des échanges qu'on a eus sur le fait d'être professionnelle, de monter son activité, son entreprise aussi. Son auto-entreprise, c'est aussi de se trouver quelque part un nom pour accompagner au mieux, pour faire transmettre le message, parce que on le transmet par le corps et on va en parler tout à l'heure par la danse, etc. Et c'est d'amener comment on amène en peu de mots, entre guillemets, ce qu'on amène comme accompagnement. Et du coup, tu vas pouvoir décrire un peu ce que tu fais là par cette émission. Cette émission qui est basée sur vraiment le fait de la danse et de cette vie et de ces mouvements. Et c'est des mots qu'on va ancrer tout au long de l'émission parce que c'est quelque chose que tu porte sur toi, enfin qui est à cœur dans tes accompagnements. Et moi, j'aimerais bien un peu que tu nous dises quel est ton parcours en fait, ton parcours professionnel, personnel, enfin ton parcours de vie, de mouvement en fait. Ouais, vraiment de mouvement, c'est vraiment ça. Eh bien, écoute, donc une enfance, voilà, plutôt heureuse, un apprentissage scolaire pas toujours évident, voilà, dans lequel c'était très statique, justement, on parlait de mouvement, peut-être un peu trop statique pour moi. Et puis, un niveau scolaire qui faisait que je ne pouvais pas prétendre aller dans des études plutôt générales, soi-disant. Donc voilà, j'ai fait un bac technologique et puis ça a été un peu une révélation parce que du coup, c'était des choses beaucoup plus appliquées, beaucoup plus concrètes pour moi. Et puis après, il a fallu choisir une activité dans laquelle me diriger pour choisir un futur métier. Donc ça, ça a été toute une aventure aussi. Voilà, donc fac d'histoire de l'art, mise à niveau en art appliqué, donc vraiment dans le domaine plutôt artistique, en BTS dans le design et la décoration d'intérieur. Voilà, donc ça a été mon premier métier, décoratrice et designer d'intérieur pendant une quinzaine d'années. Tu commençais déjà l'intérieur au final. Et je commençais déjà l'intérieur, ouais. Et donc là, on était sur le côté, alors au-delà du matériel, en tout cas, ce que les gens considèrent comme leur première maison, ça va être effectivement leur maison, leur bâtisse, ou ce que j'appelais aussi la maison secondaire ou le lieu de travail aussi. Hein, ça m'est arrivé d'accompagner pour des lieux de travail. Et puis voilà, la vie a fait que en parallèle, mon papa est tombé malade. Il est décédé maintenant, il y a quand même, ça va faire 11 ans maintenant. Et puis voilà, ça m'a questionné énormément sur le sens que je voulais mettre dans ma vie et tout ce rapport au corps qui était très, très questionnant. Des questions auxquelles je m'étais pas véritablement penchée dessus en fait. Peut-être parce que ça me faisait peur, en tout cas, voilà. Donc parallèlement, en fait, à cette activité de décoratrice et designer d'intérieur, voilà, j'ai commencé à faire des stages, des formations autour notamment du Life Art Process, qui part d'une base de vagues de danse et après un processus créatif vraiment, donc avec la terre, l'écriture, la peinture, la création, des temps en immersion dans la nature. Les roues médecines celtes, le lien à la femme, le cycle de la femme, etc. Donc, et pour la première fois quand j'ai fait la première fois j'ai fait un stage en fait dans ce domaine-là, pour la première fois de ma vie je me suis dit là je me sens à ma place et c'est ça que je veux faire. Le fait d'accompagner les gens à prendre conscience en fait de cette première maison, donc notre corps, et d'y mettre de la conscience.
Vraiment. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai continué. Je me suis formée en massage, donc à l'école de massage psychosomatique et intuitif. Voilà, qui consiste vraiment à prendre toute la dimension de l'être dans toutes ses dimensions, et notamment aussi au niveau du corps, et d'être à l'écoute de ce corps, donc dans une écoute verbale et corporelle. Voilà, et le chemin n'est pas fini, je continue à me former pour affiner toutes les pratiques de relaxation, donc je suis actuellement en formation en relaxation évolutive et expressive. Okay. Voilà. Relaxation évolutive, c'est-à-dire ? En fait, l'idée, c'est que la méthode de relaxation, c'est pas une méthode en particulier. Alors, par exemple, le massage est une méthode de relaxation. Mais l'idée, c'est de, en fonction de ce avec quoi vient la personne, de son besoin, c'est d'avoir comme une petite boîte à outils, finalement, dans lequel je peux aller piocher et voilà, proposer, infuser, en fait, des pratiques corporelles qui vont venir remettre de la conscience, remettre du mouvement aussi dans le corps, et de prendre conscience, par exemple, des tensions, par exemple, qu'on peut avoir, et d'y ramener du relâchement, de la détente. Donc ça peut être par le massage, mais ça peut être par des respirations, par la méthode de relaxation de Jacobson, Martenot, de la marche afghane, par du mouvement libre et expressif. Et des fois aussi, ça peut être juste le verbe, donc prendre un temps de discussion. Ça permet aussi de poser, de déposer et de reprendre le mouvement après avec ce qu'on a décidé de mettre à la place de ce qu'on vient de déposer, en fait. Voilà. Et c'est vraiment important. Et dans déposer, il y a le mot pause, P-O-S-E, et pause, P-A-U-S-E. Carrément. Donc au final, c'est ça, qu'est-ce qu'on vient de déposer, qu'est-ce qu'on vient mettre sur pause pour, ok, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin, qu'est-ce qui me fait du bien. De quoi ça réagit, de quoi ça agit, et qu'est-ce qu'on met en avant pour pouvoir évoluer, avancer, mettre en mouvement remettre les choses. Mouvement. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que on en discutait de nombreuses fois dans nos échanges où le corps est vraiment important, et il y avait cette connotation où je t'ai dit voilà, moi j'aborde souvent le corps et l'esprit, et au vu de ta réponse, le mot esprit, et en fait l'esprit, c'est vrai qu'il y a une connotation, et tu l'as noté, etc. De le fait qu'il y a une connotation parfois religieuse sur le mot esprit, ou alors même plus un peu plus comment dire, esprit, ça fait un peu parler les esprits, enfin voilà, il y a plusieurs choses dans le mot esprit, et au final l'esprit, c'est nos croyances qui ont été mises depuis des années, ou même nous, par rapport à ce qu'on a fait, où on a été déçu de ce qu'on a pu faire, et du coup ça, c'est nul, ou voilà, et du coup le corps ose plus. Par exemple, en fait, le regard des autres, il est important, donc ça me cloisonne, donc j'ose pas danser devant les gens, j'ose pas me mettre en mouvement, parce que qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce que je vais penser de moi, etc. Et il y a cette notion-là, le corps et l'esprit font partie d'une même cybernétique, c'est-à-dire que l'un peut coincer l'autre, comme l'autre peut coincer l'un, et en fait, l'un n'est pas différent de l'autre, en fait, ils sont tous les deux associés. Et c'est par rapport à ça où toi, quel est ton rapport par rapport à ce corps et cet esprit qui font partie du même système, en fait. Ouais. Ah, donc, ok, l'esprit, du coup, j'entends aussi, moi, beaucoup le mental, en fait. Moi, je vais l'associer vraiment au mental, justement. Et c'est pour ça que, rien que par rapport à ça, je parle pas de danse, et je parle de mouvement libre et expressif, parce qu'au début, c'était danse intuitive. Oui. Et il y avait tellement de réactions. Ah non, j'ai pas dansé, j'ai pas le rythme dans la peau. Ah non, mais surtout pas, je suis pas assez bien dans mon corps. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment le mot induit quelque chose. Donc c'était comment je peux amener, en fait, juste une proposition sans que déjà, juste par le mot, il y a un blocage. Et qu'il y ait un blocage. Ouais. Donc je me suis dit, mouvement libre et expressif, déjà, ça me semblait un petit peu plus doux et, on va dire, plus accessible par le mot. Et effectivement, pendant ces ateliers-là que j'anime de temps en temps, l'idée, c'est de vraiment de prendre un temps vraiment de lien avec son corps, et de laisser le corps mettre en mouvement ce qu'il a besoin de mettre en mouvement. C'est-à-dire de dire, ok, alors le mental, il est souvent là à venir blablabla, raconter plein de choses et venir parfois griser un peu la situation. Et comparer. Ah là là. De toute façon, c'est même si on propose une pratique avec les yeux fermés, on peut toujours avoir la tentation est-ce que les autres... est-ce que je fais bien
quel mouvement est-ce que les autres ouvrent les yeux, voilà, ou, comment c'est. Exactement. Donc là, l'idée, c'est vraiment l'invitation à s'autoriser, un peu comme redevenir un enfant qui s'éclate, qui sans rigole, les filtres, sans les croyances de l'esprit, les pensées, le mental qui parfois Et se faire du bien aussi, et c'est comment mettre en mouvement, voilà, ce que le corps a besoin de poser, de déposer, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau physique aussi, au niveau fatigue. Je me souviens d'un atelier où la majorité des participants du groupe avaient commencé, on fait un petit cercle de partage en amont, étaient très fatigués, c'était dans l'hiver. Et en fait, le fait d'avoir proposé une vague de musique un peu intensive, finalement, avait enlevé cet état de fatigue. Le fait d'avoir remis du mouvement avait libéré, de faire en sorte que, pouf, ça insuffle vraiment. Ça insuffle. Ça transforme en fait l'état du moment en autre chose. Donc, on est vraiment dans ce mouvement-là aussi. Dans ce mouvement et puis dans ces vibrations, j'ai envie de dire, parce que c'est même quand on écoute de la musique, rien que la musique... En fait, il y a des vibrations à l'intérieur, ça vient réveiller des choses. Mmh. Et du coup, le mouvement aussi se met par rapport à ça. D'où la richesse du mouvement libre et expressif. C'est une mélodie, une chanson, une vibration ne va pas réveiller les mêmes choses. Mmh. Parce que chacun a son histoire, chacun a une résonance particulière par rapport à une vibration. Et ça ne va pas forcément matcher la même chose chez tout le monde. Et pour autant, ça fait quelque chose d'individuel et en même temps de collectif, j'ai envie de dire, parce que ça fait une richesse de tout cet apport. Oui, complètement. C'est vrai que la force, en fait, la musique, en tout cas, que ce soit dans les ateliers de mouvement libre et expressif ou dans les ateliers plus dans les séances individuelles, où parfois, je mets un support, une playlist de musique choisie en fonction. L'idée, c'est que ces musiques-là peuvent être un appui, donc venir... rentrer dans ce paysage, j'aime bien utiliser ce mot-là parce qu'un jour, on me l'a suggéré et je trouvais qu'il était assez beau. C'est rentrer dans ce paysage de musique, dans ce voyage-là et comment on se laisse porter. Et à tout moment, on peut s'en extraire. C'est-à-dire que si tu es dans une énergie où tu as envie d'être dans de la tranquillité, dans de la douceur et qu'à côté, c'est une musique qui est à fond les ballons, c'est comment, en fait, tu peux t'autoriser à être dans cette lenteur-là alors qu'à côté, tout le monde s'active, bouge, saute dans tous les sens. Donc, c'est aussi cette expérience-là qui est très intéressante d'explorer parce que c'est aussi un véritable support et appui pour se connaître et pour pouvoir le réintégrer aussi dans sa vie au quotidien. Au quotidien. Parce que parfois, on est amené à être aussi ballotté dans tous les sens. Et on est dans un endroit, dans un environnement qui ne nous convient pas. Et c'est comment on arrive à se créer une petite bulle pour rester dans cet endroit-là et tout en s'écoutant en même temps. En s'écoutant, comment on crée en fait quelque chose qui fonctionne pour nous, une habitude qui fait qu'on arrive à aller à atteindre l'objectif dans sa vie quotidienne, que ce soit par exemple je dois me concentrer pour faire le compte-rendu de la réunion et en même temps il y a beaucoup de brouhaha autour, comment j'arrive à me déconnecter, en même temps me connecter à ce qui est vraiment important pour que je puisse mener à bien ce que je suis en train de faire. Et c'est vrai que toutes ces pratiques, on l'entend souvent dans le... Ça a été quelque chose qu'on a évoqué aussi sur le bien-être et ou le mieux-être, où en fait, c'est des choses de base, entre guillemets, qu'on a plus ou moins oubliées. Et ça permet, en fait, dans tout... d'apprentissage, dans tout corps de métier, une connaissance sur soi qui peut être, du coup, restituée dans la vie quotidienne à chaque instant. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas à part. Ça fait vraiment un système qui fait que, ok, ça fonctionne dans cet instant T, et je ne le laisse pas en dehors, en fait. Je peux en faire quelque chose à chaque instant. Par contre, ça, effectivement, c'est à moi de le trouver. C'est ça. Et c'est ça qui est vraiment une richesse, et je rebondis sur... ton accompagnement et l'accompagnement que je fais, c'est que effectivement on accompagne pour avec nos outils pour que les personnes trouvent eux-mêmes leurs clés et c'est eux qui vont se l'approprier et c'est vraiment ça qui est très beau, c'est comment avec ce que nous on accompagne, comment chaque personne s'approprie pour soi-même les choses et comment au final il va les transmettre peut-être à ses enfants, à ses collègues, à tout le système qui est à côté. Oui, et il y a vraiment cette notion de, en tout cas dans ma pratique, il y a vraiment de faire l'expérience. Moi, j'invite vraiment, et je trouve que c'est
bah, c'est un cadeau. C'est vraiment très précieux que de faire ces expériences-là corporelles, parce que en plus, ça s'ancre. Le fait que ce soit vécu, il y a vraiment quelque chose de presque cellulaire. Mmh. Voilà, le corps a la mémoire d'œil. Il a une mémoire juste incroyable. Et la mémoire émotionnelle aussi. Ouais. De quelle émotion j'ai mis là-dedans et qui résonne. Mmh. C'est vraiment une mémoire très très large et qui fait, qui nécessite aussi, un peu comme quand on va apprendre à faire du vélo ou à apprendre les tables de mathématiques, d'y revenir encore et encore pour vraiment au fur et à mesure que les choses s'affinent. Mais en tout cas, c'est vraiment de partir de ces expériences-là. Et donc, en tant qu'accompagnante, on est là pour proposer, suggérer. L'idée, c'est pas d'imposer quelque chose, c'est vraiment de... Et si c'était ça qui était expérimenté. Comment c'est? Comment ça voyage dans le corps et, et dans l'émotionnel? Et qu'est-ce que ça fait pour en retirer effectivement des apprentissages? Alors des fois, c'est hyper joyeux. Des fois, c'est un peu plus confrontant. Des fois, c'est ballottant. Ça ne veut pas dire que c'est toujours agréable comme sensation. En tout cas, dans les pratiques, quand on est exclusivement sur... Quand on est que sur du massage, par exemple, on peut dire « Ah, ça va être juste hyper agréable ». Quand on est sur du bien-être, oui, quand on est dans une envie de tendre vers un mieux-être, effectivement, ça peut être aussi parfois et ben, confrontant. Et ça, c'est pas grave. Ça veut dire, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je peux en retirer comme force pour m'aider, m'accompagner dans mon quotidien? Ok, il y a ça. Et comment je fais? Maintenant que j'ai ça, comment je fais avec ça pour pouvoir évoluer, pour pouvoir... Et en fait, c'est la vie. C'est-à-dire que l'accompagnement, c'est loin d'être quelque chose où on promet une vie sans vague, entre guillemets, parce que la vie est faite de mouvements. Mmh. Et c'est juste, ok, quand il y a une vague, comment je fais maintenant que je me connais de mieux en mieux pour pouvoir surfer quelque part sur la vague et non plonger. C'est ça. Plonger. Et c'est vraiment ce qui est chouette, parce que chacun, avec son évolution, alors loin de sortir de la zone de confort, en fait, agrandit sa zone. C'est-à-dire que l'expérience, et tu l'amènes bien, c'est vraiment ça, c'est l'expérience qui permet d'élargir sa zone de confort, de l'agrandir et d'évoluer. Comme je reviens souvent sur cet exemple, je pense que je le dis peut-être à chaque épisode, comme l'enfant qui apprend à marcher, il se pose pas la question, et pour autant il tombe et il apprend à chaque fois, il va céder d'une chaise, et en fait il se pose pas la question, est-ce que je vais y arriver ou pas, il va y arriver. Et comme tout ce qu'ils apprennent au début, c'est plus étant parlé par rapport aux mots, peut-être le regard des autres sur la notion de la danse, je sais pas danser, et c'est vraiment ces mots là parce que ça fait écho peut-être à nos croyances, à notre esprit, à notre mental, et ou peut-être à nos cellules, et t'en parlais tout à l'heure, parce que au niveau de nos cellules, il y a quelque chose qui fait que non, ça passe pas, danse, ça passe pas. Moi, j'avais une question par rapport à la, parce que moi, je connaissais la biodanza. Oui. C'est quoi un peu la différence entre s'il y avait une différence ou pas, parce que c'est vrai que souvent on met des noms et au final, l'objectif est le même, c'est juste abordé d'une autre manière. Mais c'est vrai que moi, j'ai connu ça il y a du coup maintenant 7 ans. alors c'est bien, ça date bien d'avant, mais voilà. Et quand on s'est rencontrés, quand tu m'as parlé du mouvement libre et expressif, c'est vrai que pour moi, je faisais le lien avec ça. Donc voilà. C'est une excellente question. Alors j'aurais envie de dire déjà remercier Lucie Ecal de l'association Vite Essence qui m'a proposé vraiment avec grand cœur que j'anime des ateliers régulièrement à la crèche, qui elle est facilitatrice en biodanza. Donc elle pourrait t'en parler très bien. Alors j'ai jamais pratiqué la biodanza. Ouais. De ce que je peux en connaître par rapport à ce que j'ai entendu, c'est que la biodanza va être plus guidée, va y avoir plus de pratiques, les pratiques sont guidées avec des exercices, notamment pour être en lien, en relation avec l'autre. Okay. Alors ça peut être des pratiques à deux, à trois, à quatre, en groupe. Le mouvement libre et expressif, l'idée c'est que... dans ma pratique, parce qu'encore une fois, comme chaque... Mais oui. Enfin, tout chaque va être différent. C'est ça. Et que je pense qu'on peut pas figer une pratique. Non, mais justement, c'est les gens qui viennent te voir, toi. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont trouver, entre guillemets. Voilà. Moi, je vais être amenée à guider de temps en temps. Et puis voilà, à venir toujours se raccrocher sur... soyez dans l'observation de ce qui se passe dans le corps. Ouais. Qu'est-ce que la musique vient raconter? Et si vous en avez marre, comment vous pouvez
mettre en mouvement en fait cet état d'agacement ou cette joie, okay, et cette petite fille intérieure. C'est plus individuel. Voilà, ça va être individuel. Ouais. Et puis de temps en temps, il peut y avoir, voilà, on peut s'entrecroiser, on peut envie de partager un temps de danser. C'est marrant parce que si vous voyez Claire, en même temps quand elle parle, elle danse sur sa chaise. C'est vraiment le mouvement. C'est comment on interagit, comment on a envie d'interagir ou pas. C'est aussi d'être dans cette observation, parce que parfois je peux faire une proposition, on se met tous ensemble et voilà, on se lâche un peu et on y va. Et puis, on peut ne pas avoir envie à ce moment-là. Et c'est comment s'autoriser, comment la personne ou comment nous autorisons finalement à se mettre un peu plus à l'écart, parce que dans ce moment-là, on a juste besoin de se mettre à l'écart. Voilà, ça peut être juste ça qui va et surgir. Et le juste ça peut être énorme. C'est ça. Le levier, c'est important. Tout peut être levier. Oui. Et il n'y a pas de petit ou grand levier. En fait, il y a levier. Ouais, la plus grande, je pense, enfin, une des grandes leçons, c'est pas une leçon de vie, mais en tout cas. Apprentissage, ouais, c'est ça. Un stage que j'ai pu faire qui était sur une année où on se retrouvait sur 4 fois 3 jours, enfin peu importe. Et dès la première session, au bout des 3 jours, il y a une personne qui s'autorisait à dire, mais en fait, je ne sais pas ce que je fais là. Et la personne qui nous accompagnait m'a dit, qu'est-ce que tu es venue chercher? Elle dit, ben en fait, je sais pas. Et lui a dit, c'est peut-être ça, peut-être juste t'autoriser à dire que, en fait, peut-être que t'es pas au bon endroit et que c'était peut-être pas ça pour toi. Elle dit, ben ouais, en fait, jamais je m'étais autorisée avant à dire, en fait, que ça ne me convenait pas. C'est oui, il faut répondre oui. Mais ouais. Et juste ça, que ce soit en atelier mouvement libre expressif ou en séance individuelle de relaxation, en massage, c'est vraiment une autorisation qui est essentielle pour moi, s'autoriser à dire, ah non, mais là, ça ne me convient pas. Et parce que c'est notre maison. Et on en revient sur le fait de la maison, c'est ok, je laisse pas n'importe qui, entre guillemets, rentrer parce que c'est pas ok pour moi. Voilà. Et mon intérieur est important. Mm. Et si je veux pouvoir explorer mon intérieur, c'est important que je puisse autoriser à un moment donné, oui ou non, à faire les choses. Ouais, d'apprendre à se respecter. Et j'adorais l'image de tout à l'heure, l'enfant qui se met à marcher. Et parfois, quand les enfants commencent à marcher, on leur tend la main. Mm. Et des fois, ils veulent la prendre et d'autres pas. Et en tant qu'accompagnante, c'est ça aussi, c'est tant si t'as besoin, tu sais que je suis là pour l'apprendre, et si t'en as pas besoin, vas-y, expérimente. C'est un peu le phare dans la tempête, c'est ok, tu sais que je suis là, entre guillemets, que j'éclaire, que je suis pas loin, et pour autant, je te fais confiance et je sais que tu vas y arriver. C'est ça. Ok. Alors, dans cette émission, je demande souvent une musique pour le moment de pause. Du coup, qu'est-ce que tu choisis? Eh bien, j'ai choisi À la rencontre du vivant de Kelly Aura et Cédric Mouillé. Je t'explique pourquoi c'est une musique. Tu peux nous expliquer? Ouais. En fait, je l'ai entendu il y a quelques mois et en fait, tout fait vibrer. Ça me fait vibrer de partout. Okay. Mon corps, toutes mes petites cellules. Donc là, tu fais une proposition pour que les gens qui vont entendre, ils vont potentiellement ressentir du mouvement et... Ah, pas forcément. Alors, du coup, contrairement, c'est pas forcément lié au mouvement. En tout cas, moi, vibration. C'est une musique qui m'émeut. Ok. Voilà, qui raconte le vivant, et le vivant, il est mouvement tout le temps, comme à l'image de la nature. Et voilà, j'aime beaucoup, c'est une musique française, voilà. Ouais, et ça fait bien vraiment du mouvement, où souvent, on parle de mouvement, on attend quelque chose, vraiment un grand mouvement, mais en fait, à chaque seconde, le mouvement, il est là. Tout à chaque seconde, même un battement de cils de paupières. C'est ça. Ok, donc on écoute À la rencontre. Ouais. Ok. Au creux de ton oreille, laisse-moi te conter l'histoire du vivant. L'histoire de la présence divine. Du frémissement. Chacun la nomme à sa façon. Cette présence, je la nomme amour. Cet amour qui ravage, pardonne, embrasse, soigne et berce tout sur son passage. Et si la rencontre amoureuse avec le vivant se présentait à moi à chaque instant? Une rencontre avec absolument tout. Le souffle, le silence, la lumière ou encore l'humain pour ne faire qu'un. L'intensité est proportionnelle, je le sens au dévoilement de mon cœur. À quel point je suis capable de mettre mon âme à nu,
comme s'il m'était demandé pour la vivre de lâcher, déposer, démasquer, dévoiler, de m'abandonner complètement. Le temps d'un instant. Un instant qui dure une éternité. Il n'y a alors plus à chercher cette présence à l'extérieur, mais à l'incarner de l'intérieur. Le monde devient l'expansion. L'expansion de mon essence, de l'amour du divin. Tout le vivant devient alors portail vers les étoiles. Tout devient opportunité à m'expérimenter, me souvenir de qui je suis, pour finalement te rencontrer, jouir de mes sens dans la lenteur, la douceur, et devenir le terrain du divin au travers le monde. J'inspire, je ferme les yeux, j'expire, je m'incline face au grand mystère, je me donne à la terre dans la transparence de mon être, je me délecte de cette présence, mon essence. Le calme et la lumière m'inondent de l'intérieur, la terre rieuse m'embrasse, je laisse le ciel me contempler, le soleil me caresser, et ma propre lumière illuminée à chacun de mes regards. Je laisse mon souffle nourrir la vie qui m'entoure. Au service de cette force de vie, je m'entremêle et tisse avec elle. S'il te plaît, utilise-moi pour le plus beau, le plus grand. S'il te plaît, traverse-moi, habite-moi. Habite mon champ et fais du bruit à travers moi. Je laisse ta force de vie tourbillonner en moi, embraser, me transmuter pour renaître encore, toujours. Plus proche de mon être. Je te laisse désormais jouer à travers moi, pour n'être qu'un rappel de ce que l'amour est sur la terre. Et si j'oublie la grandeur, la candeur de cette puissance unifiée, parce que oui, je vais oublier, alors rappelle-moi de revenir, encore au corps, encore au cœur, au souffle, à la lenteur, au silence, ou bien rappelle-moi de chanter, de murmurer, le souffle de ma demeure. Je ne cesserai jamais de vouloir toucher les étoiles, car ce sont ces milliers d'intentions pures et sincères qui créent la symphonie, capable de nourrir tout le vivant. Et ô combien c'est bon de sentir ce paradoxe, balancer entre le monde non-duel, duel, entre l'amour inconditionnel et celui qui pose des conditions, entre un espace vaste, infini, détaché, qui se délecte de tout sans attente et un monde où l'on s'attache, désire, désir encore où l'on fiche, entre un espace complet et un autre qui n'est jamais assez, entre un espace qui ne se goûte que dans la liberté infinie de l'être, et l'autre qui pose des limites, des cadres, des cases. Mais que c'est bon d'être simplement humain, vivant. Ok, après cette musique, tu es de retour, Claire. Eh oui, nous ne l'avons pas entendue dans le casque. Je suis allée où ma chanson, je ne l'ai pas entendue. Bien, donc nous parlons de vie de mouvement avec toi, Claire. Je voulais voir avec toi l'intérêt du groupe. Du coup, qu'est-ce que c'est quelque chose qu'on a abordé. C'est vrai que l'individu est très important, et c'est ce qui fait en même temps un très beau collectif. C'est chaque identité de chaque personne avec ce qu'elle amène, avec son histoire, avec son système de croyances, avec son système de valeurs. Enfin, toutes ces choses qu'on peut accompagner quand on fait des choses en individuel et en même temps en groupe. Et c'est vrai que lorsque j'anime des ateliers en groupe, je trouve que c'est très engageant pour chacun et en même temps très évolutif.
parce que il y a des choses qui résonnent quand on peut entendre quelqu'un, quand on peut regarder quelqu'un. Alors toi c'est différent peut-être dans ton atelier, et c'est vrai quand j'accompagne dans les ateliers d'estime ou même la gestion du stress, la prise de parole, etc., c'est qu'en fait une histoire vient potentiellement taper quelque chose de connu chez l'autre, et en fait se dire, ah ben je suis pas tout seul, puis il a réussi de cette manière, ok, parce que en fait on peut voir les choses comme ça, on peut les entendre comme ça, et c'est vrai que c'est le groupe a une richesse d'évolution quand les fausses croyances, quand j'appelle les fausses croyances, elles sont pas fausses, elles sont vraies, et quand les croyances limitantes, celles qui empêchent d'eux, quand il y a un groupe sur une évolution, sur un objectif commun, c'est une pulsation d'énergie énorme, en fait. Et du coup, dans la danse, qu'est-ce que toi, en groupe, qu'est-ce que ça impulse de ton côté, enfin de ton côté, du côté du groupe? Alors, dans le mouvement libre et expressif, yes. L'importance du mot. L'importance du mot. Ouais, parce que en fait, c'est marrant, mais oui. Eh bien, en fait, je pense que c'est propre en fonction de chaque atelier. Il n'y a pas encore une fois de vérité, de moments type particulier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est d'une manière plus large, hein, les groupes. Je te rejoins complètement sur la richesse, en tout cas, de ce qu'on peut en retirer. Alors encore une fois, ça peut être des grandes ouvertures de cœur, parce que ça fait écho à notre histoire, on se sent pas seul, etc. Et puis ça peut être inversement aussi, parfois confrontant, déstabilisant, agaçant, parce que parfois il y a une personne qui vient quelque chose. Voilà. Et quand on a cette curiosité de se dire, mais tiens, pourquoi là ça me met dans cet état de colère ou d'agacement, parce que elle est en train de parler, cette personne, mais pourquoi elle prend toujours la parole, elle peut pas laisser la place aux autres, c'est ça. Et c'est juste d'aller observer plutôt que de reprocher la faute, voilà, que c'est l'autre, ok, mais pourquoi moi ça vient réagir dans ma petite maison intérieure que je suis en train d'apprendre à connaître, et de pouvoir et en même temps des fois on a juste envie de se dire c'est bon, je vais pas toujours me remettre en question, etc. J'ai pas envie. Et même moi, des fois, je me dis, bon, c'est bon, ça y est, je me suis assez remise en question. Et en même temps, c'est peut-être que là, il y a encore plus besoin. Ça veut dire quoi, se remettre en question? Faut que j'y aille encore. C'est ça. Moi, le jour où j'ai compris ça, ça a tellement changé de choses dans ma vision de la relation. Il y a quelque chose qui s'est posé, qui était beaucoup plus serein. Alors ça veut pas dire que toutes les relations sont toujours faciles, ce serait que mentir que de dire de dire ça, en tout cas pour ma part. Mais en même temps, ça m'a vraiment ramené de la sécurité, une sécurité dont j'avais besoin, et que j'invite vraiment, en tout cas dans le groupe, quand je dis sécurité, ça me fait rebondir à ce côté-là, que c'est très important pour moi, en tout cas quand j'anime un groupe, quand j'encadre un groupe, qui est vraiment un cadre qui soit bienveillant, sécurisant, où les personnes sentent que c'est possible pour elles, en tout cas, d'aller dans ces explorations-là. De s'explorer. Parce que parfois, on peut être amené à vivre dans un groupe où on sent que peut-être que c'est pas le moment, que la sécurité est pas suffisante pour s'autoriser à... Et pour les ateliers de mouvement libre expressif, on est un peu sur ce même principe. Après, souvent, comme on est aussi sur un moment où c'est l'occasion aussi de lâcher, de décharger, dans le sens un peu comme quand on peut aller faire la fête avec des copains quand on est jeune, on va aller danser, bouger dans tous les sens, et on sent qu'on est aussi comme si quand on avait fait un peu de sport. Ça peut être aussi dans cette possibilité là, en fait. Il n'y a pas forcément besoin d'être dans une exploration personnelle. Des fois on a juste besoin de se lâcher la grappe, de pas se prendre la tête. Il n'y a pas d'objectif, juste prendre un temps pour se faire du bien, et c'est ok. Qu'il y ait des gens qui soient là juste pour se faire du bien, avec besoin de lâcher le mental, etc., puis d'autres qui veulent plus dans une exploration personnelle. En fait, chacun vient chercher
de quoi il a besoin de se nourrir pour pouvoir juste avancer, vivre et sans question. C'est effectivement une découverte et où je lâche comme une découverte d'un sport, comme quelqu'un qui va faire des courses à pied, qui va à un moment donné son challenge c'est plus la vider parce que sa journée a été un peu chargée, puis le lendemain c'est j'ai juste envie de courir parce que j'ai envie de dépasser ma performance d'il y a une semaine et c'est ok en fait, il y a pas de Et quand j'ai préparé l'émission, j'ai cherché un peu l'étymologie du mot danse parce que j'aime bien. Et du coup, ça fait écho avec mouvement libre et expressif parce qu'en fait, ça désigne une chaîne, un fil conducteur. Et en fait, c'est ça. C'est que sans le mot danse qui fait parfois les yeux, non, je ne sais pas danser. En fait, c'est une chaîne de mouvements, c'est une continuité, un fil. Et en fait, voilà. Et quand on l'amène comme ça, bizarrement, ça fait peut-être moins peur. Et pour autant, il y a d'autres gens qui... C'est important pour eux de dire le mot danse parce que, c'est pour eux, ils savent danser dans leur manière, dans leur système de croyance. Et c'est important de leur apporter, ok, là, tu vas danser et du coup, tu vas laisser exprimer ton corps. Ouais, et c'est super que tu dises ça parce que, en fait, en l'entendant, je me dis, et en même temps, une personne, quand elle va entendre mouvement libre et expressif, elle va se dire, oh là là, ça va être trop libre et je ne vais pas savoir quoi faire. J'ai besoin de savoir. C'est ça. Donc, je pense qu'il n'y a pas de mot juste. En tout cas, c'est vraiment des temps pour laisser le corps être mis en mouvement et d'être dans cette écoute-là qui est précieuse aussi. Et puis, au fur et à mesure... Moi, la première fois que j'en ai fait, je me souviens très bien. En fait, j'étais là, mais en fait, il n'y a rien qui se passe. Et mon mental, il me racontait plein de choses. Et c'est comment d'observer petit à petit, au fur et à mesure. Je pense que parfois... on peut être un peu... nous sommes parfois dans cette envie d'atteindre cet objectif, de dire « je dois y arriver, je dois mettre mon corps en mouvement et c'est que mon corps qui va décider. » Non, en fait, on va redescendre un petit peu. Il n'y a pas d'objectif particulier, à part un moment pour se faire plaisir. Et puis progressivement, de découvrir de nouvelles sensations, de nouvelles perceptions dans son corps, etc., pour se dire tiens c'est nouveau. Et puis c'est pas parce qu'on l'a découvert une fois qu'on va forcément le retrouver la fois prochaine. En fait, c'est vraiment dans ce jeu, dans cette expérience, c'est joyeux aussi. Ça fait un peu penser dans tes mots la notion de voir le yoga aussi, c'est-à-dire qu'on va pas plus loin que l'objectif, c'est laisser d'apprendre à connaître son corps en fait. Et ça fait un peu écho sur ce qu'on peut entendre par rapport au yoga. Il n'y a pas de notion de performance, entre guillemets. C'est juste écouter votre corps. Et c'est ça qui fait le beau déroulement de cette chaîne de mouvement. Ouais. Et non de danse. comment on peut te trouver ? Pourquoi on peut te trouver ? Parce que tu as parlé de plein de choses, notamment de mouvements libres et expressifs, l'asso dont tu fais partie, tes séances individuelles. Dis-nous un peu comment on peut te trouver, comment on peut... Sur mon site internet... Qui est clairepoupard.com, www.clairepoupard.com. Après, j'essaye d'être un petit peu sur les réseaux, Facebook et Instagram. Bon, ça, c'est pas toujours évident. Après, mon téléphone, 06 63 22 78 21. Et puis, mon adresse mail qui sera clairepoupard@yahoo.fr. Super. Voilà. T'offres aussi des bons cadeaux. Oui, pour les séances individuelles, notamment pour les temps de massage, bien-être. Et pourquoi pas mieux-être aussi, il y a des personnes qui font des bons cadeaux aussi dans ce cadre-là. Et même en relaxation, des bons cadeaux. Alors ça peut être pour massage bébé, femme enceinte, pour les enfants, enfin pour tous finalement. Il n'y a pas de restrictions particulières, mais c'est vrai que souvent, les bons cadeaux, ils sont utilisés la majorité du temps parce qu'il y a une naissance, parce qu'il y a un bébé, parce qu'il y a femme enceinte, parce qu'il y a un anniversaire, parce que parfois aussi, il y a des personnes, j'ai une amie ou un ami qui ne va pas très bien en ce moment, elle a besoin d'un temps pour elle et pour lui. Et en fait, je trouve que c'est des cadeaux que je trouvais tellement beaux, en fait, c'est... Cadeaux pour soi aussi. C'est vrai que moi, en accompagnement, quand j'accompagne des personnes
eu des traumas, alors que tout peut être trauma entre guillemets, mais, et du coup qui ont besoin à un moment donné qu'on ait lâché le mental au niveau inconscient avec l'hypnose, avec voilà, et de se dire ok, bah mon corps là, ouf, ok, bah, du coup un massage, et c'est vrai que ça fait parfaitement le lien, parce que il y a, comme on disait tout à l'heure, il y a ce fait de, au niveau des cellules, des choses qui ont été travaillées, etc. Les organes, bah, mine de rien, quand il y a des traumatismes, nous sommes faits d'organes vivants, donc ça résonne à l'intérieur, etc. Et de se dire ok, ben là j'ai bien bossé au niveau inconscient, etc., mon corps il a besoin aussi. Et c'est vrai que ça peut être aussi de ce côté là suite à un accouchement aussi, oui. parce que un accouchement, eh bien c'est un traumatisme, et derrière traumatisme c'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est important aussi de bien mettre ça, c'est à dire que le corps vit quelque chose, que l'inconscient a généré des ressources insoupçonnées lors de l'accouchement, enfin, c'est important de le dire aussi, de le souligner, et que du coup et ben oui, il y a potentiellement un accompagnement qui peut être fait juste pour se réapproprier son corps après ce qu'il a fait et ce qu'il a vécu et ce qu'il met en place par rapport à ça, parce qu'après il y a l'allaitement, il y a plein de choses, ou pas, mais il y a tellement de choses derrière, donc oui, ça peut être une continuité de choses. Oui, bah, par rapport au mouvement justement et au rapport au corps, donc on a beaucoup parler de mouvement libre et expressif, et il y a aussi toute la dimension, comme on disait, la mémoire cellulaire, c'est la ça. Mémoire des tissus, comment quand il y a une émotion qui n'a pas pu être exprimée à un moment donné, comment elle vient se cristalliser dans le corps sans qu'on en ait forcément la conscience. C'est comment, par le mouvement du massage, qu'il soit un mouvement fluide ou plus subtil ou juste d'imposition de main pour venir sécuriser, comment faire venir prendre conscience au corps que là tout va bien. Et puis aussi il a cette formidable capacité, le corps aussi, d'avoir de pouvoir aussi s'autoréguler, alors jusqu'à un moment donné effectivement où il y a un traumatisme et que là il ferme tout et il verrouille, mais c'est comment venir aussi en accompagnement par le ramener toucher, de ramener la fluidité, de refaire circuler et mettre du mouvement pour voilà remettre de la vie et pour éviter qu'il y ait des espaces qui soient restreint et que ça respire plus. La respiration en fait partie aussi d'ailleurs, hein, ce mouvement-là respiratoire. Comment j'inspire et comment je viens expirer pour. Et si ça se fait pas, le corps réagit à sa manière. Voilà. Et c'est vrai que notamment, alors là, je fais écho par rapport au bruxisme ou des choses comme ça, des choses qui. Voilà, le corps réagit à sa manière et par son histoire aussi et par ses gènes qui ont pu être transmis aussi, comment ça se générait avant, comment ça se gérait avant, je retransmets de la même manière. Ok, là je viens remettre de la fluidité du mouvement pour apaiser ces mots-là. Et devenir adapté. En fait, l'adaptabilité, le corps s'adapte énormément, mais c'est aussi en tant qu'accompagnant, comme on vient adapter en fonction de la personne. Et puis, je vois hier, j'étais en séance, à un moment donné, j'étais au niveau du crâne. J'adore être au niveau du crâne, j'avoue. Mais en tout cas, à un moment donné, la personne s'autorisait à dire « Mais en fait, là, Claire, je sens que c'est pas OK pour moi, que ce soit au niveau de la tête, ça me crispe plus qu'autre chose. OK, ben on va ailleurs. » Et c'est la personne qui m'a dit « Je veux bien les mains. » Je trouve ça génial en fait, parce que s'autorise aussi à diriger le mouvement là où il sent et où la personne en a besoin, et c'est une vraie richesse, et ça fait l'individuel, le collectif, l'accompagnement, et c'est cette richesse qui fait ok, je m'autorise à dire il y a pas de jugement, c'est ok, et juste j'ai envie d'y aller ou j'ai pas envie d'y aller, et je respecte. Et c'est comme ça que ça évolue. Donc c'est chouette. C'est le principe de co-création. C'est exactement ça, la co-création. C'est la co-création, et c'est pas parce que on prévoit pas, c'est pas par exemple que je prévois une playlist de musique, que ce soit en atelier ou en séance individuelle, que la playlist va se dérouler comme ça pendant tout le long. À un moment donné, on peut venir intervenir, changer ce qui avait été prévu, parce que tout est mouvement, tout est fait d'imprévu. Et que ça se passe bien. Mais ouais, et c'est comment vivre avec ces imprévus-là. Oui, c'est aussi, exactement ça. Et se dire, un jour... j'avais entendu, alors j'avais prévu d'aller à la plage, me faire bronzer, ah il pleut, mais c'est trop nul, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Ok, ben et si je faisais des crêpes avec mes enfants et on fait un petit goûter, un petit chocolat chaud ? C'est comment, de par ces imprévus-là, en fait, on en fait une force et pas quelque chose de cette énergie un peu plombante, c'est nul, en fait, tous mes plans sont à l'eau. Bon, des fois, il ne faut pas se leurrer. Hein. Moi aussi, des fois, je me dis un peu de frustration quand même. Mais en tout cas, c'est comment on vit dans ce mouvement de la vie qui vient contrecarrer parfois ce qu'on avait imaginé.
Et puis pas que parfois, je pense qu'au fil, au fur et à mesure qu'on évolue, qu'on grandit, qu'on rentre dans le milieu du travail, qu'on a des enfants, toutes ces choses qui font qu'il y a un moment donné, ces choses de vie, ces éléments de vie font que de toute façon, on est avec d'autres êtres humains. Donc, on contrôle pas l'être humain, encore heureux. Ouais. sur certains domaines, il y a du contrôle, mais il y a un moment donné, on vit avec les émotions de quelqu'un qui est en face, et que qui on est pour dire que c'est comme ça, en fait. Mmh. Et juste de laisser, effectivement, ce mouvement, cette liberté de l'autre, et cette frustration que l'autre peut avoir, que nous, on peut avoir parce qu'on voulait faire plaisir, on veut faire plaisir en allant, par exemple, à la plage. Et du coup, de se dire, en fait, on a promis peut-être quelque part des choses aux enfants et ça se passe pas comme prévu. Du coup, comment on fait avec ça et qu'est-ce qu'on peut en tirer? Et c'est un apprentissage. Ouais. C'est vraiment un apprentissage, tout ça. Je suis ravie d'avoir fait cette émission avec toi, Claire. Vraiment. Merci beaucoup à toi de m'avoir invitée. Vraiment, vraiment une belle rencontre et puis des projets en cours. Oui. On en parlera sûrement bientôt. Oui. Et du coup... Comment est-ce que tu peux rappeler ton téléphone? Oui, alors vous pouvez me joindre au 06 63 22 78 21. Voilà, il y a plus d'informations aussi sur mon site internet www.clairepoupard.com. Yes. Voilà. Et moi, je refais juste un petit point en rappelant le festival de Santalier qui se déroulera le 10 et 11 juin à Échiré. Où il y aura de nombreux thérapeutes, créateurs avec de la musique, de la bonne ambiance. Voilà, donc je suis ravie d'y participer. Et puis, la prochaine émission, je serai avec Valérie, de Santalier. Donc, un beau moment aussi qui va se mettre en place. Et j'ai choisi pour terminer la musique de L.E.G. Summer 2015, avec toute cette ambiance, tout ce mouvement qui est de cette chanson, cette musique. À bientôt et bonne journée à tous. Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? First name is free, last name is dumb. Choose to believe in where we're from. C'est comme ça qu'on... Bye.
baila comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime. Me laisse pas solo, solo. Conmigo, gangsta. Comme ça qu'on aime, 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 aime. Somme, somme, somme. Bitch, but I have my money. Bitch, but I have my money. I'm too hot, 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 hot damn. Hot damn. Call the police and the fireman. I'm too hot, 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 hot damn. Hot damn. Make a dragon wanna retire, man. Girls, hear you, hallelujah. Woo! Girls, hear you, hallelujah. Woo! Girls, hear you, hallelujah. Woo! Girls, hear you, hallelujah. Cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She's always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She's always right there when I need her. I'm in love with the cocoa.